Je me trouve actuellement à Xi'an, dans la province du Shaanxi. Le Shaanxi est situé dans le centre de la Chine et ses villes de Shangluo et Ankang sont adjacentes au Hubei. Selon les informations publiées par le comité provincial de la santé du Shaanxi, jusqu'au 28 janvier à 14h, 46 cas de pneumonie causés par le nouveau coronavirus ont été confirmés dans la province et un total de 899 contacts étroits à travers la province sont sous observation médicale. Le 25 janvier, le gouvernement du Shaanxi a déclaré le plus haut niveau d'urgence de santé publique pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le 27 janvier, la province a publié une circulaire sur le renforcement de la prévention et du contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus. La circulaire comprend 22 articles couvrant le renforcement de l'organisation et de la direction de la lutte contre l'épidémie. Afin de prévenir la propagation du virus, le 14e comité de la CCPPC, Conférence consultative politique du peuple chinois de Xi'an, a reporté sa quatrième réunion qui devait initialement se tenir le 3 février 2020. Xi'an a annulé l'enregistrement des mariages du 2 février et la rentrée scolaire des écoles maternelles, primaires et secondaires de Xi'an ont été reportées. Le trafic routier de passagers en destination et en provenance de Xi'an a été suspendu à partir de dimanche dernier à 18h. Dans le métro de la ville, on commence à prendre la température des passagers et il est obligé de porter un masque. De plus, une hotline a été mise en place pour accepter des consultations sur la pneumonie 24 heures sur 24. Le 26 janvier, une équipe médicale du Shaanxi, composée de 136 professionnels, est arrivée à Wuhan, dans le Hubei. Ces professionnels viennent de 51 institutions médicales de la province.